Je crois sincèrement que c'est la plus belle fonction, être mère. Moi, en plus, j'ai la chance d'être mère et mère. J'ai ce côté assez maternant, en même temps, et mes coups de gueule, hein, parce que j'en fais quand même beaucoup, j'ai un sacré caractère. J'ai exercé plusieurs mandats, effectivement, enfin, avant d'être maire. Je suis passé au gouvernement et j'ai été député 10 ans. Et le rapport que les habitants ont avec moi, depuis que je suis maire, n'est évidemment pas le même que celui qu'ils pouvaient avoir quand j'exerçais d'autres fonctions. J'écoute l'habitant dans ses demandes, dans sa relation, comme je l'écoutais en tant que médecin. Mais j'ai une capacité aussi, du coup, parce que j'ai appris à faire un diagnostic et du coup à envisager un traitement. Le diagnostic, c'est la succession de ce que vivent les habitants et le traitement, c'est un traitement global. Je suis né ici et je trouve que dans une vie, s'engager sur un délai déterminé pour sa ville, c'est un bel engagement. Éric Ménassy, Catherine Arnoux, Laurent Hénard, Sophie Gargovitch. Deux hommes et deux femmes séparés par leur parcours politique, par leur âge, par leur milieu. Chacun d'eux est maire de commune que tout semblerait vouloir opposer. Une métropole, une ville de banlieue, une ville moyenne et un petit village. À quelques mois des élections municipales, nous avons voulu leur donner la parole. Revenir avec eux sur les grands événements qui, depuis 2014, ont marqué leur mandat. À travers leurs yeux d'élus de terrain, ils réagissent à une actualité qui les a mis à l'épreuve. Par moments, ils s'opposent ou se retrouvent, tous habités par un même sens de l'engagement. Mars 2014, le début de la mandature municipale. À peine élus, les maires reçoivent un premier coup de massue. L'État baisse les dotations au budget des collectivités territoriales et dans le même temps, leur transfère de nouvelles compétences. En un mot, les maires doivent faire plus avec moins. 11 milliards d'euros de dépenses en moins. Les collectivités locales, elles, devront se serrer la ceinture. Les communes sont appelées à fonctionner avec 30% de ressources en moins. En fait, je ne vais pas réaliser tout de suite. Hein. J'arrive. Donc j'arrive, 2014, on nous annonce ça dans la presse, dans les médias, ok, bon, mais moi je suis plutôt du genre à me dire, ok, on attend voir, on va bien voir ce qui va se passer, parce qu'évidemment, quand ce sont des chiffres généraux, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous précisément. Moi je découvrais, hein, donc du coup, oui, bien sûr, on s'est rendu compte que les dotations avaient baissé, certes, colère, ça c'est sûr qu'il y a de la colère qui passe d'abord. C'est tombé juste après la fin d'une campagne municipale. Donc, c'est tombé après un certain nombre de promesses qui n'étaient pas que des promesses en l'air, qui étaient l'envie de faire avec ce qu'on savait qu'on avait comme dotation pour les 6 ans à venir. Ça bouscule quand même un élu hein, de savoir qu'il a fait des promesses qu'il ne pourra pas tenir, alors que ça n'était pas dans son idée première de ne pas tenir ses promesses. Sur le plan du travail du maire, c'est une difficulté de plus. Voilà. Il y en a déjà beaucoup qu'il faut surmonter et transformer en opportunité. Après, sur un plan moral, je continue à penser que c'est inacceptable. Voilà, je continue à penser que c'est inacceptable. D'abord parce que François Hollande avait promis le contraire. Voilà, son engagement 54, c'était « je garantirai les dotations aux collectivités locales ». On peut tous pérorer pendant des heures sur la montée du Rassemblement national, la poussée des extrémismes, la violence dans la société, la défiance envers les élus et ceux qui sont dépositaires de l'autorité. À partir du moment où le président de la République oublie ouvertement un de ses engagements écrits, je veux dire, ça fait du mal à tout le monde, c'est dévastateur. 7 janvier 2015, moins d'un an après l'élection municipale, la nation dans son ensemble est frappée par les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et puis, le 13 novembre, le Bataclan, les terrasses, le Stade de France, la capitale et ses symboles touchés au cœur. Quelques jours après les attentats, lors d'un rassemblement exceptionnel des maires de France au Palais des Congrès de Paris, Anne Hidalgo exprime l'émotion d'une ville meurtrie par les attentats. Solidaires, les maires venus de tout le pays portent leur écharpe tricolore en étendard de la République. Le Paris qui a été frappé est notre Paris à tous. Il souffre, mais il est debout. Il regarde droit devant lui.
Il est en vie et il vivra. Vive la République, vive la France, vive les communes de France, vive Paris et Saint-Denis. Dans chacune de leurs villes, les maires font face à la stupeur de leurs administrés, mais aussi à leurs propres sentiments. C'est éminemment humain, c'est éminemment intense et c'est très compliqué. Donc là, on fait avec ce qu'on est vraiment, avec ses qualités, ses défauts, sa sensibilité. Voilà, parfois, je n'avais pas envie de parler, et puis je l'ai fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Et puis après l'avoir fait, j'ai compris que c'était bien de l'avoir fait, parce que plein de gens étaient heureux qu'il y ait une parole, non pas de Laurent Hénard, je pense que ça, c'est pas... Mais qu'il y ait une parole de la ville, et c'est le maire qui l'a fait, forcément, nécessairement. Immédiatement, on organise... quelque chose qui montre quand même qu'on est absolument solidaire d'un peuple qui a le droit d'exister, une liberté de penser, une liberté de parler, une liberté d'écrire, une liberté de dessiner, enfin voilà. On le met en place ici, comme dans beaucoup de villes, et ça se fait assez naturellement. Mais en quelques jours, et là c'est devenu vite insupportable pour nous élus, comme pour un certain nombre d'habitants, on fait une collusion entre banlieue, la banlieue et le terrorisme. Et on donne très vite le sentiment que nous sommes le creuset du terrorisme. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors au départ, on se dit, on a peut-être un mot à dire, une explication à donner, mais pas seulement ça, un travail, des choses à expliquer. Mais on a très vite été associé à la banlieue, c'est le creuset du terrorisme. Et ça, ça a été vite insupportable. Vous apprenez ces nouvelles avec effroi, avec beaucoup d'émotion, mais avec l'éloignement géographique qui sépare la ville de Trèbes de Paris, et avec le sentiment diffus et faux que ça ne pouvait arriver que dans des grandes métropoles ailleurs, pas dans le monde rural. Ils étaient 100 000, venus voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. En quelques secondes, la ville est gagnée par la panique et le chaos. Une déferlante s'abat sur tout le territoire. Magnanville au printemps 2016, Nice le 14 juillet, Saint-Étienne-du-Rouvray quelques jours après. Et puis, à son tour, Éric Ménassy est touché directement. Le 23 mars 2018, Radouane Lagdim achève son parcours meurtrier dans un supermarché de Trèbes. La gérante est l'épouse du maire. Lors de la prise d'otage, elle se trouvait à l'intérieur du magasin. Très vite, moi, l'information qui m'est donnée... c'est qu'il y a un terroriste dans le magasin. Donc, très vite, vous êtes confronté à une réalité. Il n'y a pas eu un seul moment où il y a eu un doute sur la nature de l'action qui était menée dans le magasin. On savait très vite que ce n'était pas un braquage, que ce n'était pas une autre tentative, mais que c'était bien un acte terroriste. En tant que maire, on se dit quoi ? Plusieurs sentiments vous transportent. Perse, la peur, bien sûr, le sentiment que vous avez presque l'obligation de garder une forme de lucidité, parce que pour être utile, il faut être lucide. Et le danger eût été de perdre cette lucidité par une émotion trop forte, quand vous savez que vous avez des de la famille à l'intérieur du magasin, quand vous savez qu'il y a des amis, quand vous savez qu'il y a... on apprend très tôt qu'il y a potentiellement des victimes, c'est terrible. Vous avez l'événement en tant que tel, vous avez l'adrénaline qui suit avec toute cette gestion de la crise, et puis il y a l'après. L'après, vous le gérez avec votre personnalité, avec les élus qui vous entourent, avec les Trébéens qui sont là, et vous le gérez comme vous pouvez. Faire face parce que d'autres problèmes frappent à la porte, et notamment les problèmes de toute une planète, l'environnement, le réchauffement climatique. À l'automne 2015, à Paris, les dirigeants du monde entier se retrouvent à son chevet pour la COP21. Décembre 2015, Paris, capitale du monde, accueille la COP21. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour obtenir un accord historique sur le climat.
Il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ça, c'était un grand moment. Moi, quand ils ont signé, je me suis dit, ça y est, on arrive à un accord. Enfin, il y a une prise de conscience, on va pouvoir modifier les choses et puis renverser la tendance. Et puis on voit qu'au fur et à mesure, ça s'effrite. Je suis assez pessimiste. À Nancy, ce n'est pas la COP21 qui nous a fait réagir. C'est plutôt le fait qu'un an ou deux après, on s'aperçoive que des accords de Paris, rien n'était tenu. Et c'est là où je me suis dit, bon d'accord, c'est mondial. Quoi. Mais enfin, si chacun estime que comme c'est mondial, c'est chez le voisin, ça ne va quand même pas beaucoup avancer. Donc on a lancé une année consacrée à la transition écologique avec l'université. On a pris au moins les objectifs des accords de Paris, au moins. Et puis sur beaucoup d'objectifs, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Si on apprend à moins dépenser d'eau, dépenser plus intelligemment dans le chauffage, travailler sur les économies d'énergie, l'habitant, il y gagne déjà en ressources mensuelles, en non-dépenses, donc en qualité de vie. Et les habitants, ils ont mis du temps à être prêts, mais ils sont prêts. Dès lors, la mondialisation et les accords commerciaux entre les continents deviennent les symboles de cette activité humaine qui corrompt la planète, avec déjà des impacts sur les paysages des territoires et sur l'agriculture. Les dirigeants des puissances mondiales négocient des règles de libre-échange comme le TAFTA ou le CETA. Sur le terrain, les élus, eux, s'y opposent souvent avec leurs moyens. On s'était déclaré déjà en juillet 2015 commune hors TAFTA, c'était certes symbolique, mais c'était aussi pour alerter nous, toutes petites communes du sud-ouest de la France dans le Lot-et-Garonne, de dire ben, « nous, TAFTA, on n'en veut pas parce que ça nous fait peur ». Ça nous fait peur, ça fait peur, ça nous fait peur parce que ça nous fait peur pour nos agriculteurs locaux, ça nous fait peur de signer des accords mondiaux comme ça, où on va faire venir des produits par avion qui coûtent des fortunes alors que c'est des choses qu'on peut produire localement. Voilà, c'était aussi cette alerte-là. Je veux dire par là que oui, on a du pouvoir, mais qui a le plus grand pouvoir au niveau de la consommation ? Ben, c'est nous, tous. C'est qu'est-ce que j'achète, comment je l'achète, où je l'achète. Voilà, je pense que chacun a sa part de responsabilité, en effet, dans ces enjeux climatiques. 5 septembre 2017, l'ouragan Irma est requalifié en supercyclone et touche les territoires d'outre-mer, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Désormais, le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine, il s'incarne très concrètement sur le sol français. Des territoires jusque-là épargnés deviennent désormais des zones à risque. C'est le cas à Trèbes. C'est lorsque vous êtes confronté à des drames météo comme nous l'avons subi, vous vous dites que la notion de dérèglement climatique, nous y sommes vraiment. Il a plu l'équivalent de 5 mois de précipitations. Partout des murs effondrés. À Trèbes, l'eau est montée jusqu'à 7 mètres. Une crue inédite dans le village, de plus près de 130 ans. Les quais et les rues ont totalement disparu. Il y a les pertes humaines, où il y a 6 victimes sur notre ville, mais il y a des familles qui ont perdu la construction d'une vie, des souvenirs. La proximité, c'est le meilleur des outils. Faire en sorte de les solliciter, de leur dire que nous sommes là, leur apporter une aide administrative, leur apporter une aide technique, bien souvent. L'écologie n'est plus un parti uniquement. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une nécessité absolue pour notre planète. Et quel que soit le niveau auquel vous œuvrez, vous devez en tenir compte. Si l'écologie, elle écarte une partie des habitants, celle qui a les plus petits salaires, qui a fait le moins d'études, qui a la vie la plus dure, évidemment que ça va péter. Mais ce n'est pas encore du côté de l'effort écologique que l'opinion craque. Les fermetures d'hôpitaux, des postes, des écoles, sur tout le territoire, les habitants ont le sentiment que les services publics à l'échelle locale deviennent la variable d'ajustement des économies budgétaires de l'État. Après des mois de mobilisation, 95 services d'urgence sont actuellement en grève. Aujourd'hui, il semblerait qu'une petite école, c'est un luxe qui ne correspondrait plus aux services publics modernes du 21e siècle.
On peut les sortir, les banderoles, ça ne servira à rien. Moi, j'ai toujours dit ça. Ça va nous faire perdre de l'énergie, mais eux, ils ne vont pas nous dire « Ok, vous avez raison, vous avez fait pression, on vous maintient la classe. » On n'a rien à faire. Hein. Les chiffres, c'est les chiffres. Hein. Ça, c'est révoltant. C'est révoltant. L'école. Vous vous rendez compte, l'école. Mais c'est toute l'institution de notre République, ça, c'est toute une institution. L'école de la République. Et on ferme les écoles. Et on les ferme, en plus, principalement dans les zones rurales. Non, mais où va-t-on? Où va-t-on? Alors qu'on n'aille pas m'expliquer que vous, les maires, on vous a entendu. Non, on ne nous a pas entendu. Parce que moi, quand j'entends que dans nos petits villages, on est en train de fermer les écoles, parce que sur les effectifs, il va manquer un ou deux, hein, c'est du foutage de gueule. Chaque enfant a droit à avoir une instruction de proximité. Il y a une vraie similitude entre le maire qui se bat pour garder sa classe que le maire de banlieue qui se bat, alors qu'on a énormément de classes qui s'ouvrent, qui se bat pour la qualité de l'enseignement. On ne peut pas imaginer de regarder nos enfants soit s'en aller pour les territoires ruraux, parce que les enfants s'en vont, soit ne pas réussir, parce qu'en fait, ce sont les adultes de demain. Dans son village, Sophie Gergovitch s'est battue pour sauver l'école. Elle a même ouvert la première école publique de France qui pratique la méthode Montessori. Ce ne fut pas simple, mais on a réussi. Et on a réussi parce qu'on a tous été unis, que ce soit les enseignantes, les parents, les habitants. Et en fait, on a tous cru en ce projet-là pour le bien de l'enfant. On savait très bien que 2018, on risquait de perdre une classe. Et finalement, vous voyez, le destin des fois est bien fait. 2018, on a ouvert une classe. Et maintenant, on se retrouve donc avec cette quatrième classe et de nombreuses familles qui sont venues s'installer sur la commune. Les territoires dans la mondialisation et les territoires qui se sentent relégués par elle, cette différence, elle n'a pas cessé de se creuser. Et la seule solution pour recoudre cette plaie, pour refermer cette fracture, c'est de donner plus de pouvoir aux acteurs locaux pour qu'ils trouvent les solutions adaptées. L'échec de la réduction de la fracture territoriale, en fait, c'est les limites d'un système centralisé. Novembre 2018. Les décisions du système centralisé entraînent une contestation populaire. Sur les ronds-points, une couleur et un vêtement deviennent un symbole de la colère. C'est le point de départ du mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de Français pouvaient se dire que la République les avait oubliés, que le système qui avait été bâti en France n'était pas fait pour eux. Quoi. J'aurais pu dire, vous savez, dans les Gilets jaunes, très peu finalement habitent Nancy, beaucoup viennent des communes autour de Nancy. Oui, d'accord, mais ils viennent à Nancy. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien. Alors il n'est pas forcément heureux, il n'est pas forcément complètement apaisé, mais ça veut dire qu'il y a quand même un lien, quelque chose qui se fait autour de Nancy, qui finalement se passe à Nancy. Semaine après semaine, le mouvement s'étend et se radicalise. La fracture territoriale, dénoncée depuis des mois, voire des années par les maires, devient visible. Elle s'incarne samedi après samedi. La violence qui est allée crescendo et la façon dont les forces de l'ordre ont été traitées avec ce que nous avons vécu à Trèbes était pour moi insupportable. Moi j'invite toutes celles et ceux qui ont une voix à porter, qui ont des idées à porter, de pouvoir débattre avec l'ensemble des 36 000 maires de France et de leur expliquer, de leur donner leur point de vue. Et si jamais ces points de vue divergent ou sont complémentaires, pourquoi pas se présenter à des élections intermédiaires. Devant la colère populaire, depuis Paris, le président organise une tournée dans les territoires. Le grand débat est lancé. Le face-à-face du président avec les élus locaux a bien eu lieu. Emmanuel Macron les invitant à jouer carte sur table. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe et me la faire entendre de la manière la plus directe. Donc j'ai tout mon temps. Et puisqu'on leur donne la parole, les élus ont raconté une France en piteux état. Ce que je vais vous parler, c'est du fond du cœur. Je crois que la France est gravement malade. Ça me met en colère parce qu'ils font des discours lisses, bien travaillés, la bonne prose, les bons éléments de langage, une com, mais au top. Mes habitants, ils sont pragmatiques et ils ont raison de l'être. Ils veulent débattre lorsqu'ils sont sûrs d'être écoutés, ils sont sûrs que leurs propos influencent la politique à venir. Ce grand débat éthéré, artificiel, sur des sujets qui n'étaient pas les leurs, ben, ça ne les a pas mobilisés. Ben, ça veut bien dire une chose, c'est que ça n'était pas leur sujet. Je pense que si les élus croient qu'on peut continuer avec la démocratie représentative seulement,
comme ça a toujours été depuis la Révolution, comme si de rien n'était, je pense qu'ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quoi. La défiance de nos concitoyens, elle est immense. Alors, il ne faut pas seulement le constater. Il faut y remédier. Les maires sont au cœur de ce divorce entre l'opinion et les élites. Ils subissent simultanément les décisions de l'État et les critiques des populations. Symbole des institutions à hauteur d'homme, les maires sont pris à partie. En 2018, 361 élus ou adjoints sont victimes de violences. J'ai été agressée physiquement le 26 août. Alors, je n'ai pas médiatisé. Donc, j'étais dans le cadre de ma fonction pour donc exercer mon pouvoir de police suite à un aménagement dangereux sur une voie publique. La fonction de maire, elle est attaquée, donc on est attaqué. Non pas parce que je suis Catherine, mais je suis attaqué parce que je suis le maire et qu'à un moment donné, je prends des décisions. Dire qu'on est toujours imperméable à la violence des propos ou à la violence des actes, non, on n'est pas complètement imperméable. Quand on traite une femme mère avec des injures de ce genre, et qu'on l'accepte, on l'accepte pour toutes les petites filles qui veulent avoir un avenir, on l'accepte pour toutes les femmes qui veulent avoir un rôle, et donc on contribue à ce que ça ne s'arrête pas. Donc il faut à chaque fois trouver ça insupportable et lutter contre. Je souhaite par ailleurs que soit engagée, avec vous, la réflexion indispensable sur le statut de l'élu local pour apporter des réponses concrètes à vos questionnements légitimes sur la responsabilité pénale, sur les protections qui doivent être associées à vos mandats particulièrement exposés. Pour endiguer la crise, le président prévoit de nouvelles protections pour les maires. Mais pris dans l'étau, certains menacent déjà de démissionner. Il jette l'éponge et abandonne son écharpe de maire. 17 ans pourtant qu'il l'a portée à Sevran. 50 000 habitants et l'une des communes les plus pauvres de Seine-Saint-Denis. Pourtant, il s'est longtemps battu. En 2012, il avait même entamé une grève de la faim pour demander plus de dotations pour les villes pauvres comme la sienne. Moi, je comprends qu'il y ait un certain nombre de maires qui arrêtent. Mais c'est sans doute parce que ça va être un peu violent en 2020, le nombre de maires qui vont arrêter, qu'on va se reposer la question à la fois du statut de l'élu, comment l'État peut contribuer à accompagner, à sécuriser ceux qui sont ses représentants. Je peux comprendre ce fait-là, notamment dans des maires de petites communes. Parce que la réalité n'est pas la même. Les moyens sont dérisoires. Le budget est petit, il n'y a pas d'agents. Donc on est plus en situation de bénévole associatif qu'en situation d'élu qui pilote une collectivité, quoi. C'est très facile de tout critiquer, hein, de critiquer parce que les élus font tout mal, les élus s'en mettent plein les poches, les élus ci, les élus cela. Mais allez voir ce que font les élus. Prenez leur place. Donc quel est le meilleur moyen, en fait, de s'investir, c'est d'infiltrer le système. Et je pense que quelque part, j'aime bien infiltrer un système pour comprendre comment il fonctionne. Et à ce moment-là, essayer d'en changer quelques petites choses quand on peut, à notre niveau. Je n'ai pas la prétention de dire on peut tout changer, on ne peut pas tout changer. Mais au moins, nous, ici à Blanquefort, on a essayé de changer quelques petites choses et on voit que ça fonctionne. Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner à plus grande échelle ? Faire changer sa commune pour faire changer tout un pays. Les maires que nous avons rencontrés restent optimistes. Éric Ménassy, comme Catherine Arnoux et Laurent Hénard, eux, ont fait le choix de se présenter à nouveau devant les électeurs lors de l'élection de mars 2020. De son côté, Sophie Gargovitch réfléchit encore. Je ne ferme pas la porte parce qu'en fait, égoïstement, j'aurais fermé la porte. Égoïstement, j'aurais repris ma vie, faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Travailler et m'occuper peut-être plus de ma famille aussi. Ça serait le côté égoïste. Et puis après, je pense que la plupart des gens, quand ils s'engagent et qu'on leur met devant le nez, ben en fait, voilà, t'as fait tout ça, maintenant tu pars. Et si tu pars, on ne sait pas si ça va pouvoir être maintenu parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir y mettre la même énergie. Est-ce que t'es prête à tout voir tomber, quoi. Parce qu'on met un temps fou avant de monter des projets. Et au moment où on en voit le bout du début, parce que c'est ça, en fait, on a envie de les accompagner, comme un enfant. Hein. On a envie, pas seulement d'attendre qu'il marche, de l'aider à marcher, puis après de le voir prendre son vélo. C'est un peu ça. Hein. Il y a des projets qui ont besoin d'être accompagnés. En tout cas, moi, j'ai besoin de les accompagner. C'est un vrai sacerdoce, l'investissement des du local. C'est à la fois difficile, usant
mais tellement enrichissant. On change après 6 années aussi éprouvantes. On acquiert à la fois une forme d'expérience, le recul nécessaire pour appréhender au mieux des événements terribles, mais on devient plus fort, j'en suis sûr. On n'est pas tout seul à avancer avec le flambeau et à apporter la lumière. On est plutôt là, je pense, pour rassembler toutes les idées, rassembler les énergies, faire en sorte que... C'est la force du local, en fait. Les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour leur ville. Je suis sûr que si le pessimisme est contagieux, l'optimisme l'est encore plus. Parce que, à un moment donné, au fond de chacun être humain, on a envie que la petite flamme se réallume. Et donc, si on crie haut et fort qu'on va y arriver, je suis sûr qu'il y a il y aura des gens qui croiront qu'on va y arriver et du coup qui porteront ce message. Et la succession et l'envie sera portée par d'autres. Après, je ne sais pas. De toute façon, moi, je suis maire de Blanquefort-sur-Briolance. J'aime ma commune. Hein. Et je ne suis pas là pour donner des leçons. Ils feront ce qu'ils voudront, avec ou sans moi. En tout cas, nous, on continue parce que le terrain, c'est la vérité. OK ? Donc voilà, on fait ça. Catherine, Eric, Laurent et Sophie témoignent depuis leur coin de France. Pourtant, un point commun unit ces 4 élus aux 36 000 maires de France. Chacun, depuis sa commune, partage un même attachement aux valeurs fondatrices de la nation. Chacun, dans sa mairie, se fait courroie de transmission de ses principes. Ses gardiens veillent tous à porter un projet collectif. Ils sont les sentinelles de la République.